Un bitume neuf, des carniveaux neufs, voilà le visage reluisant de cette voie du quartier Air France 1 de Boaké. Seulement, à voir de plus près, des tuyaux enfouis nuitamment par des individus qui n'ont pas encore perçu la chance qu'ils ont d'avoir cette voirie rallient leurs toilettes au carniveau. Odeurs nauséabondes et dépôts de déchets de tout genre sont désormais l'apanage de ceux qui empruntent cette voie. Les propriétaires de la cour, ils ont des comportements vraiment bizarres. Ils pèsent les nouveaux caniveaux que les gens viennent de faire. Les WC, vraiment, c'est vilain à voir. C'est-à-dire qu'avec les caniveaux, là, avoir au moins un peu d'hygiène, un peu propre, mais vraiment, ça ne va pas. Si pour avoir au moins les gens pour contrôler un peu souvent les caniveaux, vraiment, là, au moins, ça c'était bon. Informé, le directeur régional de l'environnement et de la salubrité de la région de Gbeke, tout en condamnant cet état de fait, entend sévir pour le respect du domaine public et éviter un problème de santé publique. Des personnes percent le caniveau pour y mettre des ordures, non pas des ordures ménagères, mais des déchets, des bouts de vidange. Et nous disons qu'à ce constat, qu'il y a quelque chose à faire, d'abord interpeller tous ceux qui sont à l'origine de cette pratique pour ne serait-ce que leur infliger des amendes dans un premier temps. Ensuite, il faut sensibiliser la population de ce que les caniveaux ne sont pas des poubelles. En attendant, une plainte a été déposée par le directeur régional de l'environnement et de la salubrité pour mettre fin à ces agissements d'une autre époque.